Hey yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je t'amène découvrir ce magnifique RE+2 construit par un Camerounais de la diaspora vivant en Italie. Vous savez, depuis un certain temps, la diaspora investit massivement au Cameroun parce que ces gens sont partis travailler pour rentrer, construire et bâtir leur pays. On va découvrir ce magnifique bijou réalisé par un Camerounais vivant en Italie. Cet appartement qui a coûté 100 millions de francs CFA. Ce que vous pouvez constater, c'est un parking. Vous pourrez garer votre voiture, vos voitures, si vous en avez deux, quelque part, où vous, je sais pas, à votre choix. Et voilà, cet immeuble RE+2, c'est 6 appartements. Voilà, les appartements sont vraiment grands, spacieux. On va les visiter et on va commencer par le premier niveau. Vous comprenez un peu? Donc là, on va faire les marches. Voilà, là c'est le rez-de-chaussée, ce sont les appartements. Voilà, les deux premiers appartements. On part. Voilà, les deux premiers appartements. Ok. Là c'est les deux autres appartements. Voilà, on ne va pas visiter. Ça c'est les deux autres appartements. Hein. Mais allons quand même, allons-y. Montons. Ok. Ok. Comme je vous le disais, ces appartements sont vraiment grands, sont spacieux. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? C'est super joli. C'est très, très beau. Regardez le plafond, admirez. Voilà, admirez la beauté. Les carreaux, ça vient d'Italie. La peinture, elle vient d'Italie. Et on a un super balcon, un magnifique balcon ici, qui vous permet de, voilà, de prendre l'air le soir et d'admirer la beauté de ce quartier qui est en train de se développer. Vous voyez un peu les immeubles partout, c'est la preuve que voilà, l'économie est en marche. Sinon, qui construirait tous ces immeubles si les choses se passaient très mal, comme beaucoup le disent au pays? Regardez vous-même comment le quartier est en train de se développer. Alors, si vous avez la possibilité d'acquérir un espace ici, faites-le. Venez construire parce que c'est ensemble qu'on va bâtir le Cameroun. Vous voyez partout là, c'est des immeubles. Sont des immeubles. Et là, j'oubliais, on a l'école d'Alexandre Son, l'ancien joueur, l'ancien lion indomptable. Voilà, c'est ça là-bas, l'école d'Alexandre Son. Donc ici, dans ce quartier, vous êtes tout simplement l'abri de beaucoup de choses. Vous avez une superbe école faite pour l'ancien international camerounais. Continuons la visite. Alors, comme je vous le disais, ça c'est le salon. Admirez le plafond, c'est super joli. Le plafond, c'est super, super joli. Et le salon est grand, très grand. Et on va visiter la chambre. Hein. Voilà, ça, c'est la chambre du... La chambre parentale. Papa, maman. Ouais, la petite fenêtre. Ok, même la chambre est grande, frère. Tu vois, c'est la magie. Voilà, tu as vu l'espace. Et c'est propre. Là, c'est la douche. Regardez-vous même, c'est la magie, c'est super beau quoi. Super, 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 super beau. Je valide. Si toi aussi, tu as des appartements, tu as des, voilà, un restaurant, quelque chose à promouvoir, n'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à nous écrire et on va le promouvoir. Ces vidéos sont faites pour promouvoir le 237, pour promouvoir ce que réalisent les Camerounais. Ici, on a une autre chambre. On a une autre chambre, toujours aussi spacieuse. Et voilà, on a des très belles fenêtres qui donnent une très belle vue. Et ici, tout a été prévu. L'immeuble a un groupe électrogène. Un groupe électrogène qui va pouvoir alimenter tous les appartements si jamais il y a coupure. Et là, c'est une autre douche. Excusez, c'est une autre douche. Voilà, ça c'est des douches communes. Hein. Voilà. Voilà, des gens qui viennent vous visiter et tout et tout. Voilà. Je vous montre la cuisine. Elle est tout aussi grande. Voilà. Voilà, le frigo, je ne sais pas trop, vous le déposez là. Et bon, là, c'est prévu. Vous pouvez mettre les, je sais pas trop, les macabos, les ignames, tout ce que vous voulez. Vous stockez là. Et on a aussi une autre petite véranda. Ici,
Voilà, donc la dame, elle peut aussi s'occuper à faire certaines choses ici. Voilà. Ok. Donc, on va visiter le second appartement. Le second appartement. Voilà, il y a le salon. À l'identique, bien grand. Et on a une autre couleur des carreaux. Et comme je voulais faire remarquer tantôt, ça vient d'Italie. Là, c'est un autre appartement. Et ici, vous avez la même belle vue que dans celui d'à côté. Vous admirez toujours le quartier. C'est beau. Voilà, ça c'est la douche. La douche. Une chambre. Une seconde chambre. Super beau. Et la fenêtre donne toujours. Voilà, la fenêtre donne toujours sur le. Voilà, vous pouvez remarquer. Là-bas, c'est le stade Japoma. Le stade Japoma. Si vous remarquez, voilà le carrefour qui mène tout droit au stade Japoma. Donc, ce quartier, il est tout simplement magnifique. Beaucoup d'édifices aux normes, beaucoup d'édifices très jolis sont en train de sortir de partout. Bon, on descend. Hein? Non, on ne descend pas. Je vous montre quelque chose que le boss, ce jeune Camerounais qui n'a même pas 35 ans, a prévu pour tous ceux qui habitent ici. Les problèmes d'eau, jamais il n'y en aura pas. Les problèmes d'eau, il n'y en aura pas. Il a tout prévu. Hein. Voilà, je vous le promets. Vous allez voir. On a un grand cubiténaire qui est juste là-haut. Voilà. Donc, il y a un forage. Il y a un forage. Donc, tous ceux qui vont vivre ici n'auront aucun problème d'eau. Aucun problème d'électricité. Vraiment, c'est. Voilà, je tiens à, particulièrement à féliciter chez une Camerounais qui n'est pas là. Là, qui n'est pas là, voilà. Le cubiténaire là. Et comme je le disais, regardez le quartier, regardez la vue, c'est magnifique. Beaucoup de très belles choses sont en train de sortir. Et j'apprécie ça. J'apprécie. Je suis super content de voir qu'il y a des jeunes Camerounais qui se battent, qui rendent réalisés au pays. Alors, si toi tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu, à nous faire des remarques, pas des commentaires. Et surtout aussi, si tu as un business à promouvoir, n'essaye pas, n'hésite pas. Passe-nous un message, un commentaire, on viendra jeter un coup d'œil. C'était tout pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois.